Per Cannes, per la Francia, era forse la prima più attesa. La Conquista, il film dell'ascesa politica di Nicolas Sarkozy, caso unico di messa in scena durante il mandato in corso, oltretutto il primo, di un presidente della Repubblica. Fuori competizione la pellicola di Xavier Duranger non risparmia ironie e sarcasmi, dalla figura di Cecilia a quella di Chirac, mettendo a nudo il re, o meglio l'imperatore. Chirac, ma moi aussi je la veux. Ne sous-estimez pas Nicolas, il faut faire attention à lui. Je vais le niquer ce grand con. Il m'a trahi une fois. Il n'hésitera pas à vous trahir une deuxième fois. Là, où est-ce qu'il est tiré, Henri? Tu vois la pique qui chante en bas? En train de marcher sur mes plates-bandes. Je suis revenu pour t'emmener au sommet, c'était mon devoir. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Tu vas être président. Tu te rends compte de ce que tu me fais? T'es venu comme des sarco-boys froids, distants. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête. Je pars pas sur un coup de tête. Je pars sur un coup de cœur. Un mec qui peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France? Ton pire ennemi, c'est toi, mère. Cecilia, où es-tu? Tu es fou. Il va exploser en vol. Et quand il va dévisser, il va partir en torche.